On est toujours ensemble pour le broker du jour et on va faire un point outre-Atlantique. Après un petit coup de mou, les marchés se reprennent à la faveur de bons résultats des entreprises. C'est ça, David Derry? Exactement, donc on a des marchés qui commencent depuis le début du mois d'octobre à se reprendre. On avait justement, on avait eu une pression baissière ces derniers temps, hein, avec l'inflation qui était de retour, avec la faillite d'Evergrande en Chine ces dernières semaines qui avait fait beaucoup de bruit. Et donc on est venu se reprendre avec notamment des bons résultats d'entreprise pour les premières entreprises qu'on publiait, mais aussi des chiffres positifs et encourageants sur le point de vue de l'emploi. Hein, parce qu'aux États-Unis, comme le disait Antoine, on a eu des très bons chiffres justement de l'emploi et un chômage en baisse. Donc ça a plutôt profité au marché. Là, par exemple, sur le Nasdaq, on voit que le Nasdaq, il a réussi à dépasser les 15 000 points. Les 15 000 points qui étaient un niveau assez important, hein, parce qu'on était venu vers le 7 octobre la semaine dernière. On était venu tester ces niveaux-là et malheureusement on avait échoué et on n'avait pas réussi à les dépasser. Là c'est fait, on a cassé les 15 000 points. Donc maintenant les 15 000 points joueront un rôle de support sur le cours. Et on peut-être revenir sur des plus hauts historiques pour le Nasdaq notamment. Là, on le voit que les plus hauts sont aux alentours de 15 750. Et puis ça a fait pareil sur les autres indices, hein, parce que si on prend le S&P, on est aux alentours des 4 500 points. Et pour le Dow Jones, on est pareil sur la même optique, avec un Dow Jones à 35 307 points. Donc on a des marchés qui se sont bien repris, avec notamment plusieurs entreprises qui ont publié des résultats assez impressionnants. Par exemple, on a évoqué la semaine dernière JP Morgan et BlackRock. Qui avait déjà publié des bons résultats. On a eu Goldman Sachs qui a aussi confirmé cette tendance. Donc on voit que les marchés pour le moment profitent et regagnent de l'intérêt justement suite à ces dernières nouvelles. Là on le voit sur le cours, Goldman Sachs a aussi profité de l'annonce de ses résultats, hein, en augmentant fortement. On était en dessous de 400, on était aux alentours des 390. Et puis à la suite de l'annonce des résultats, on est désormais à 415 dollars. Goldman Sachs qui justement ont largement dépassé les attentes des analystes, hein. Ils ont reporté 13,6 milliards justement de revenus contre 11,68 milliards qui étaient attendus, et leurs profits ont augmenté de 63% par rapport au même trimestre de l'année dernière. Donc on voit quand même que c'est une hausse assez importante du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on va avoir Netflix, justement, qui va publier après la clôture. Netflix qui sera assez intéressant à suivre, parce que je suppose que vous n'avez pas manqué, mais l'engouement autour de Squid Game a été totalement inédit pour Netflix. Ça a fortement profité justement au cours, hein. Si on regarde sur les 3 derniers mois, on voit que Netflix augmente de plus de 18%. Alors, à titre d'exemple, si on compare cette hausse au Nasdaq, par exemple, sur la même période, donc sur les 3 derniers mois de l'année, le Nasdaq lui gagnait 3%. Donc on voit que Netflix est en train de repartir. On avait eu un été assez compliqué pour Netflix. On le voit sur le graphique que on était passé de 550, on était revenu, on n'avait pas cassé les 500 dollars à la baisse, mais on était venu corriger un petit peu justement sur Netflix. Et là, on est de retour à des nouveaux plus hauts historiques justement sur le cours, hein, les plus hauts historiques aux alentours de 650 dollars, et donc qui pourraient être dépassés avec
avec justement les résultats dépassent les attentes. Aujourd'hui, Netflix, on attend 3,5 millions de nouveaux abonnés justement au troisième trimestre. Donc on verra si justement ils arrivent à dépasser les attentes et les estimations des analystes, et on verra aussi si Squid Game a justement profité à Netflix et aux chiffres de Netflix cette semaine. Puis sinon, dans les autres actions qui bougent sur le marché américain, on a Cloudflare, qui est une entreprise spécialisée dans le cloud et qui réalise une très très belle performance depuis le début de l'année, hein, parce qu'on est en hausse de plus de 120% justement depuis le début de l'année. Donc là, on voit sur le graphique que depuis le mois de mai, on est fortement parti à la hausse et on a une forte tendance haussière sur justement Cloudflare. Cloudflare qui a dépassé, qui a augmenté ses revenus de 65% d'un trimestre à l'autre. Donc ça profite justement au cours. Il devrait publier début novembre ses résultats du troisième trimestre, mais en tout cas Cloudflare, qui en ce moment est l'un des market movers à suivre à la bourse de New York et qui gagnait encore hier 7,80%. On le voit aussi là sur le graphique que depuis début octobre, on a un cours qui s'est repris aux alentours des 105 $ et on enchaîne semaine haussière après semaine haussière, cela depuis maintenant presque 2 semaines.